Amis de la réalité virtuelle, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous confronter au monde sous-marin. Nous allons tester le jeu Freediver Triton Down. C'est sur Oculus Quest. C'est un jeu de plongée sous-marine qui est au prix de 14,99€ sur l'Oculus Store. Il existe par ailleurs une version PSVR et une autre sur SteamVR compatible avec entre autres le HTC Vive et l'Oculus Rift. Pour la petite histoire, nous nous retrouvons dans un bateau qui a coulé. Le but va être de se faufiler dans l'épave et d'en sortir en vie. Notre chemin ne sera pas aisé dans une ambiance sombre où l'on voit les membres de l'équipage se noyer. Il faudra entre autres lutter contre le courant, le feu et tout un tas d'épreuves risquées. Survivre coûte que coûte aux diverses situations que nous allons rencontrer sera une lourde tâche. Dans l'obscurité, il nous faudra résoudre des énigmes, trouver des objets, les utiliser à bon escient, faire des allers-retours après avoir utilisé des interrupteurs pour progresser, tout en gérant notre niveau d'oxygène en étant équipé uniquement d'un cadran qui nous indique le temps qu'il nous reste avant de mourir noyé et une petite lampe torche. Alors, amis claustrophobes, abstenez-vous d'y jouer parce que ça va être très très flippant. Alors heureusement, nous trouverons par moments des bouteilles d'oxygène et des poches d'air, mais survivre, ça va pas être aisé. Pour le gameplay, deux modes de déplacement sont possibles. Le premier en mimant les gestes de brasse. C'est le mode que j'avais utilisé la première fois que j'ai joué à ce jeu. Honnêtement, au bout de quelques minutes, je n'en pouvais plus. C'est très 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 physique, surtout dans les phases où on doit lutter contre le courant. Donc très rapidement, j'ai opté pour le second, qui lui utilise les gâchettes supérieures pour se déplacer et on incline la manette pour la direction. Alors on appuie sur les gâchettes inférieures pour s'agripper ou manipuler et attraper les objets. La jauge d'oxygène, elle est sur l'avant-bras droit et les missions sont aussi indiquées sur le bras droit. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous montrer là. Vous voyez, il est marqué O2 et Escape the Ship. Il est possible de surligner les objets utilisables dans le décor. Alors ça simplifie quand même grandement le jeu, mais on perd en immersion. C'est malgré tout un mode que moi j'ai utilisé pour le besoin de la vidéo, car ce n'était pas toujours très simple de savoir où il fallait aller et ce qu'il fallait faire. Voilà pour la partie gameplay. Alors maintenant, côté technique, c'est assez bien fait quand même graphiquement pour l'Oculus Quest. On se sent vraiment oppressé, les jeux de lumière sont angoissants. On se sent vraiment à la limite de la claustrophobie. Alors un petit bémol tout de même sur la surface de l'eau qui est quand même assez simpliste. L'immersion est clairement au rendez-vous. On se sent vraiment enfermé dans le bateau. Il y a par ailleurs des réglages pour limiter la nausée en réalité virtuelle pour ceux qui en souffrent. Alors étonnamment, moi ça a été mon cas. D'habitude je ne suis pas trop touché par ce symptôme-là, mais alors là ça a été par moments très compliqué. À chaque fois, au bout d'une heure de jeu, je devais faire une pause. Alors peut-être que j'aurais dû activer ces options-là. J'essaierai ça dans ma prochaine partie, certainement ce soir. Côté animation, par contre, c'est totalement fluide et ça reste totalement lisible. Alors le son, lui, n'est pas en reste. Il colle bien à l'ambiance que les développeurs ont souhaité pour ce titre. On entend bien les bruits de l'eau qui coule, les cris de panique de l'équipage et j'ai trouvé que l'écho rendait l'atmosphère très pesante. Côté durée de vie, cela prend environ 2 heures pour le compléter. Alors j'imagine que la rejouabilité n'est pas énorme parce qu'il est très probable que la crise cardiaque soit passée par là avant. Mais déjà passer 2 heures dans ces conditions, surtout si vous jouez en mode réaliste, ça sera une belle épreuve de courage. Côté tracking, c'est plutôt bon. Alors c'est rapide, c'est précis, c'est cohérent. Je n'ai pas rencontré beaucoup de bugs à ce niveau, c'est à souligner. On attrape les objets assez facilement. Parfois il y a bien quelques soucis, on passe à travers quelques trappes, mais ça ne nuit pas tellement à l'immersion. Alors au final, faut-il acheter ou pas? Alors moi j'ai plutôt été séduit par ce titre, je l'ai trouvé original, même si on avait déjà pu jouer à Subnautica qui était lui aussi basé sur la plongée, là le but est quand même assez différent, on est plutôt dans un escape game, l'ambiance est vraiment flippante, c'est très angoissant, tout est vraiment très bien retranscrit. Par ailleurs, même moi qui ne suis pas du tout claustrophobe, là je me suis vraiment senti oppressé. Si vous avez des amis à qui vous voulez faire une petite démo de la réalité virtuelle, je pense que c'est tout indiqué. Ce titre démontre une fois encore que la réalité virtuelle permet vraiment de jouer différemment et surtout d'apporter de vraies émotions. Je ne pense pas que l'on pourrait vivre ce genre de choses dans son canapé tranquillement, mais bon, ce n'est que mon avis. Alors après, il faut aussi souligner son prix très abordable, il n'est qu'à 14,99€. Pour ce prix, vous avez accès à une vraie expérience de réalité virtuelle, un vrai contenu, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien le souligner. Voilà, eh bien, je pense que nous avons fait le tour des principaux points de ce jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à poster votre avis sur ce titre si vous l'avez acheté. Il est toujours constructif de pouvoir comparer les avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça vous permettra entre autres d'accéder à mes prochains tests. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!